dinosaures étaient les rois de l'eau. Que de végétation, d'eau, de diversité. Il faisait toujours très chaud, et de jour comme de nuit, la vie grouillait dans les marais et la grande plaine du Jurassique. La vie, c'est que les paisibles, tout en restant constamment en éveil, pour nous protéger, nous, herbivores, de l'appétit féroce des carnivores. Sur notre tête. Tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique et immense incendie ravageurs toute notre belle planète. Ensuite, froid. Un froid si puissant nous glaça le sang. La nourriture se raréfia, nous faisons ainsi disparaître petit à petit, laissant la place aux mammifères. Le temps fit son œuvre, la vie reprit ses droits, mais sans nous. De nos jours, on ne parle plus des dinosaures qu'au cinéma. Et pour les voir, il faut se rendre dans un musée. C'est un jour comme un autre aujourd'hui. Divine et les petits Henri et Cécilia ont décidé de visiter le musée. Max, un ami gardien, leur a confié que la nuit, d'étranges choses s'y passaient. Et curieux, ils ont décidé de se rendre sur place pour en avoir le cœur net. Les oreillers du paysage. Tous les animaux, tous les êtres vivants ont bien leur place sur la planète. Et pour nos arrière-arrière-petits-enfants, il faut bien qu'un jour tout s'arrête. Je ne veux pas qu'il soit figé, photographié, fossilisé dans un musée. Faut se dire d'abord qu'elle a survécu encore, même sans les dinosaures. La Terre est un trésor. Bien de tes
méfiance ou d'amitié entre l'homme et les dinosaures. Si ça se trouve, un iguanodon pourrait peut-être garder la maison. Un tricératops amical aurait peut-être ramené la papale. Tous les animaux, tous les êtres vivants ont bien leur place sur la planète. Et pour nos arrière-arrière-petits-enfants, il faut bien qu'un jour tout s'arrête. Je ne veux pas qu'ils soient figés, photographiés, fossilisés dans un musée. Faut se dire d'abord qu'elle doit survivre encore, même sans les dinosaures. La Terre est un trésor. Il est encore tôt et il n'y a pas trop de gens. Allons-y tout de suite. Vous êtes d'accord? Ok, on te suit. Alors on va aller s'amuser en musée. Bah, attendons quand même. Thank you.
fois le soir, comme le gardien le dit au revoir. Est-ce que les bouges dans le noir et puis se cache dans les couloirs. C'est super cool, je trouve ça trop fort. Tous ces mystères, on les adore. Les bonnes puces ici. Henri, viens ici. J'ai une idée. On va faire semblant de sortir de la salle et on se retournera tous les trois. Je compte jusqu'à trois, ok? Un, deux, trois. Au secours! Un innocent vivant! Mais arrête! Tu vois bien qu'il a plus peur de toi que toi de lui, voyons, tu lui fais peur! Regarde, maman. Il tremble, le pauvre. Oh, tu as raison, ma chérie. N'ayez pas peur, on n'est pas méchants. Vous nous comprenez? Oui, je parle et je vous comprends. C'est fantastique, on se croirait dans un film. C'est génial, les enfants, bonjour. Moi, c'est Livine. Et voici mes enfants, Henri et Cécilia. Et vous, vous vous appelez comment? Sur une terre si jolie, le soleil et la lune réchauffaient nos vies. On dansait le jour et même la nuit. Nos vies sans souci, c'était le Jurassique. Un jour, une étoile tomba sur la terre. On a fermé les yeux. Si longtemps que le silence nous baissait, on resta étonné du bruit qui résonnait. Et ses yeux bleus m'ont regardé.
C'est chouette comme prénom, ça. Super. Et c'est plus facile à retenir que ton nom scientifique. Ah oui, c'est plus joli. Et dis-moi, c'est où, Bernissard? Ah, je vais vous expliquer. Regarde, là, sur la carte. En région wallonne, vallée des Iguanodons, entre Moucron, Liège, Tournai, Mons, et c'est là, vous le voyez, Bernissard, vous connaissez quand même. Tu vois, Cécilia, et vous? Oui. Ah bon. Bernie, dis-moi, tu es quoi exactement? Un gros lézard? Un grand crocodile? Un tyrannosaure? Bon, je suis... Attends, je vais t'expliquer. Ah bon? J'ai jamais entendu parler de lui, moi. Et vous, les enfants? Non? Et vous, les enfants, vous avez déjà entendu parler de Jules Créteur? Non. Non, hein? Mais tu vois, Bernie? Mais si, attendez, vous connaissez sûrement ça? C'est quoi? Oui, de l'argent préhistorique? Non, hein? Attends. Moi, je crois savoir.
C'est de l'ancienne pièce belge. Pourquoi? Et derrière, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage à mineur, je pense. C'est ça? Eh bien voilà, c'est lui, c'est Jules, c'est ma gueule noire. Oh, dommage qu'on ne l'ait pas connu. Oh, on aurait pu lui poser beaucoup de questions. C'est vrai ça. Attendez, moi j'ai une petite idée. Un peu de magie et de chanson, et Jules va venir nous rejoindre. On essaie les enfants? On essaie? Vous voulez que Jules vienne nous rejoindre? Oui! Oui, oui, bonne idée! Alors on va essayer de faire ça. Jules! Faut creuser, c'est
divine, je suis contente. Tu n'as pas vieilli, c'est très bien. Bonjour Jules, dis-moi, comment tu fais pour les sortir de scène? Ben, avec tous des petits morceaux, pardi. Un puzzle géant, ça, non? Ben oui. Pas trop dur? Moi, j'adore les puzzles, surtout quand elles sont difficiles. En morceaux? Dans des caisses? Mais ils ont fait comment pour nous reconstruire? Connaissant les zigoutos dans les musées, ils ont certainement mélangé tous les os. Les oiseaux, les oiseaux! Henri, ne te moque pas, ce n'est pas gentil, voyons! Ben, je rigole, c'est tout. Non, non, et pas de numéro. Et en plus, le chien du conservateur du musée m'a mal volé un os. Désolée, Bernie, mais imaginons la scène, les enfants. Fermons les yeux. Le musée, les caisses, le conservateur et ses employés. Monsieur, c'est quoi? J'en fous.
te regarde, me travers, t'es rigolo, indigoto. Tu as vécu, mon dernier. Oh oui, tu as vécu il y a longtemps. Voyager en pièces détachées pour terminer ta vie dans un musée. Mais dis-moi, il paraît qu'il se passe de drôles de choses la nuit ici. Tu es au courant? Ah, bon? Non, je ne sais pas, moi. Mais si, Bernie. Max, n'est-ce pas, les enfants m'ont dit que la nuit, le musée prenait vie. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de dormir ici. La nuit passée, ils ont fait une course de dinosaures. Vous vous rendez compte? Un vrai tremblement de terre. Non, une course? Oui. Trop fort. Mais enfin, chut! Tais-toi! On va avoir des problèmes avec T-Rex, ça tu sais bien, il va croire qu'on a vendu la mèche. Eh bien, moi je te croyais beaucoup plus courageux que ça, Bernie. Tu me déçois. Ouais, c'est vrai ça. Poutre! Bon, allez, ok. Tout vous expliquer serait beaucoup trop long. Il vaut mieux que vous restiez cette nuit ici. Mais il faut se cacher, sinon les gardiens nous feront sortir. Ah oui, que faire pour se cacher? Et les enfants, si alors, doivent se cacher? Oh là là, c'est trop pour moi. Ok, super idée. Chouette, j'adore jouer à cache-cache. Écoutez, n'importe où, cachez-vous, du moment qu'on ne vous voit pas. Et surtout, vous attendez le signal avant de vous montrer. Quel signal? Je sais, le cri du dino. Attention, les gardiens arrivent. Cachez-vous. Silence, les enfants. Bernie, tu t'es permis de me désobéir. Tu as osé inviter une famille dans mon musée. Et quelle famille! Une gentille petite famille toute proprette, respectueuse avec la nature et les autres. Tout à fait le genre d'humain que je déteste le plus. Mais que comptes-tu faire avec eux, petit imbécile? Que faire? Que faire? Ça y est, j'ai trouvé. Les orduriers! Ces petits chenapans feront parfaitement l'affaire! Ces petits chenapans feront parfaitement l'affaire. Et roule, Finge! Au pied, assis! Devant! Vous nous avez appelés? Ouais, vous voulez quoi, Rex? J'ai besoin que vous espionniez pour moi. Bernie et ses nouveaux amis. Et que vous leur pourrissiez la vie un maximum. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh. Pour le moment, rien, mais... Je me méfie. Cet imbécile est capable de tout. Je veux savoir tout ce qu'ils feront cette nuit. Compris? Ok, Rex. On va les suivre. Discretos. Noblem. Hein. J'espère. Les orduriers.
jamais guéterons. Un fou indu à cuir, j'ai tout son parent. Choque, provoque, j'adore quand ça dérange. Je hais le lutteur pour notre jeunesse qui instaure la peur, qui crie, qui agresse, qui ose, impose, l'angoisse et puis le stress. On jette nos papiers et on crache par terre, on fait de la fumée, on pollue, on est bien d'être les orduriers. Jette nos papiers et on crache par terre. On fait de la fumée, on pollue, on est fiers d'être les orduriers. Lèvres peintes en noir, un doigt vers le ciel. Je suis une fille de soir, une fille rebelle. Je ruse, je m'amuse, c'est ça ma vraie nature. Pédalé en cuir, je suis un évitant. Un fou, un dur à cuir, je suis tout au marrant. C'est mal, c'est sale, mais ça fait bien les cales. On jette nos papiers et on crache par terre. On fait de la fumée, on pollue, on est fiers d'être les orduriers. Et on crache par terre, on fait de la fumée, on pollue, on est fiers d'être les orduriers. Petits idiots sont prêts à tout pour me satisfaire. Ils sont persuadés que je vais faire d'eux des meneurs d'hommes. Quelle blague! Je les méprise. Je les méprise, ces humains. Ils se croient plus malins que nous. Mais... foi de T-Rex! Vous allez souffrir! Vous allez disparaître! Vous êtes une race en voie d'extinction! Dans la jungle et dans le désert, Colomb n'était pas encore là. Parmi les mouches, les vers de terre, les dinosaures étaient les rois. Un jour on ne sait pas comment, ce fut la fin de notre race. Les lions, les chiens et les enfants ont peu à peu pris notre place. J'aime pas les humains, ce sont des nains, des moins que rien. Ils rêvent de gouverner la terre, d'être maître de l'univers. J'aime pas les humains, ce sont des nains, des moins que rien.
ça me fait rire, je vous le dis. Fois de T-Rex, d'Iguanodon, car ils n'ont pas encore compris qu'ils sont tous en voie d'extinction. Diplodocus, tyrannosaure, on n'était pas des plus fragiles. Pourtant, on nous a fait un sort sous forme de poussière, de fossiles. Mais aujourd'hui, tout a changé, car sous le regard médusé de ceux qui nous ont exposés, on se réveille dans leur musée. J'aime pas les humains. Ce sont des nains, des moins que rien. Ils rêvent de gouverner la terre, d'être maître de l'univers. J'aime pas les humains. Ce sont des nains, des moins que rien. Ça me fait rire, je vous le dis. Fois de T-Rex, d'Iguanodon, car ils n'ont pas encore compris qu'ils sont tous en voie d'extinction. Je déteste tous les enfants qui veulent tout savoir, tout connaître. Petit curieux, sache nappant, c'est votre tour de disparaître. J'aime pas les humains. Ce sont des nains, des moins que rien. Ils rêvent de gouverner la terre, d'être maître de l'univers. J'aime pas les humains. Ce sont des nains, des moins que rien. Ça me fait rire, je vous le dis. Fois de T-Rex, d'Iguanodon, car ils n'ont pas encore compris qu'ils sont tous en voie d'extinction. Personne, personne ne me survivra. Et la nuit venue, je peux vous dire qu'il se passe des choses extraordinaires. J'ai appris que les vélociraptors montaient un podium en un temps record et les iguanodons ont sorti leur costard de garde du corps. On a aperçu tout à l'heure T-Rex avec un holorotitan en grande conversation. On aurait dit deux chenapans préparant entre les tout. Ce soir, c'est sûr, c'est soirée jurassique. Entrée gratuite au dino. Accompagné ou non. Venez les amis, suivez-moi. Ce soir, c'est la fête, c'est la dense attitude. On sort les platines et à fond la musique. On fait la fête au musée. Toute la journée, passant entre nos griffes acérées, vous ne pouvez vous imaginer que tous nos rêves sont éveillés. Une soirée magique d'un débuté, cette tortillon va s'éclater, tiré prêt pour une folle soirée. Il va même remplacer le DJ. On attend de la journée, la tombée de la nuit pour commencer. Regarde bien, on finit la tournée, on s'éveille, c'est la fête au musée. Impossible de passer à côté, les violons sont enfin accordés. Et nos amis sont tous arrivés, on s'éveille, c'est la fête au musée. Participer, leurs têtes sont fraîchement repassées.
fils à serrer. Vous ne pouvez vous imaginer ce qui se passe la nuit au musée. On attend toute la journée la tombée de la nuit pour commencer. Les gardiens ont fini leur tournée. On s'éveille, c'est la fête au musée. Impossible de passer à côté. Les violons sont enfin accordés. Et nos amis sont tous arrivés. On s'éveille, c'est la fête au musée. J'assure, personne n'est en retard. Ce sont pas les statues de pierre qui adorent se coucher de derrière. Le matin, on est bien obligé de se coucher dans l'immobilité. Quand les hommes viennent approcher du divan lit pour enfin s'éclater. On attend toute la journée la tombée. On s'éveille, c'est la fête au musée. Impossible de passer à côté. Les violons sont enfin accordés. Et nos amis sont tous arrivés. On s'éveille, c'est la fête au musée. On attend toute la journée la tombée de la nuit pour commencer. Impossible de passer à côté. On s'éveille, c'est la fête au musée. Quelle soirée! On ne peut pas venir, hein? On reviendra s'épurer. Je bouge mon corps comme un dinosaure. Je chante, la vie, c'est le paradis. Le paradis? Tu rêves, ma petite. C'est plutôt l'enfer, ici. Ouais, n'importe quoi. Ils sont pas clairs, ceux-là. C'est pas normal. Ouais, avec sa raison. Ils sont louches. Il cache quelque chose, ceux-là. Pas normal. Attention, les âmes damnées de T-Rex sont là. Qu'est-ce qu'ils manigancent encore? Mais enfin, c'est des ados. Ils n'ont pas l'air méchants. Méchants, non. Je ne crois pas. Mais influençable, certainement. Et que voulez-vous que ces enfants fassent de mal ici, voyons? Dans un musée. Ils sont sombres. On dirait qu'ils sortent tout droit d'un film d'horreur. Ils me font peur à moi. Mais non. Les enfants, je vous ai déjà dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, mais ils ont failli faire tomber Jules. Hé, hey, Bernie, tu fais dans l'élevage de Simplet? On dirait plus de la famille Crisoé. Non, Henri! Ça ne sert à rien! La violence n'engendre que la violence! Oh. Non, Henri, de carnage, mon petit! T'en veux de maman pour te défendre! Allez, retourne jouer au bac à sable! Allez, viens, on se bat! On se bat! Ça empêche les consentiments ici! C'est dégueulasse! Si c'est pas malheureux de voir des jeunes si mal tournés, n'est-ce pas? Oh oui, Jules, tu as raison! Bernie, c'est qui ces dinos? On dirait des frères jumeaux. Mais non, non, ce sont mes cousins. Et encore, vous ne savez pas tout, les amis. Ah bon? Tu nous caches encore quelque chose? Mais non, il nous fait marcher. Quoique, j'ai laissé traîner mes oreilles dans les toilettes des filles, hein, Cécilia. Et j'ai entendu parler d'un défilé cousinistique. Et c'est quoi ça? Un film? Bernie, dis-moi. La vérité, c'est quoi ce défilé et ce cousinistique? Si vous voulez, c'est un genre de défilé. Mais quand mes cousins viennent nous voir, ils nous font une parade d'enfer. Oh, 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 oh. L'interceltique des dinos. Trop fort, ça. Je voudrais être une petite souris pour voir ça, moi. Moi aussi, je veux voir ça. C'est quand et où? Je suis curieux. Moi aussi. On peut participer? Ben oui, nous aussi on peut participer. Ok, ok, allez, à
pas si mes cousins sont d'accord, parce que c'est un grand show en direct du Télé-Jurassique, chaîne première. Ouais. Ah, allez, on y va. Alors, on va aller danser, s'amuser avec les cousins de Bernie. Et les enfants, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Super, les amis. Mais Divine, est-ce que je peux te demander un petit service? Quoi donc, Bernie? Mais notre grand présentateur, Jean-Michel Zekaboum, est malade. Est-ce que tu veux bien le remplacer? Oui, hein? Ok, pourquoi pas? Ça peut être amusant, n'est-ce pas, les enfants? Alors, en direct de... Chance, notre ami...
tout premier roi, Louis Jurassique. C'est très simple. À tout de suite.